agents spéciaux, on a les hardis, on a fort, mon commandant. Messieurs, il y a une de ces tribus indiennes perdues dans l'Ouest qui est encore en guerre avec notre gouvernement. Nous vous demandons de faire la paix avec cette tribu. Oh, mais certainement, mon commandant. Nous allons fumer le calme de la paix avec eux. Si ça ne te dérange pas, Oli, je préférerais seulement une accolade. Oh. Nous sommes bientôt arrivés, Oli. Ce panneau devrait sûrement nous le dire. Yankee Go Home, signé le chef œil noir. Ils n'ont pas mis dans quelle salle ça passe, Oli. Ce n'est pas un film, idiot. C'est un panneau d'avertissement. Regarde, Stanley, j'avais raison. Stanley! Stanley, où es-tu? Il est parti, Oli. J'ai essayé de me mettre hors du champ de tir. Oh, regarde ça, Oli. On dirait un cadeau. Mais oui, c'est sûrement une coutume indienne. On reçoit les étrangers en leur faisant un cadeau. Vous trouverez peut-être que c'est un bien petit don, mais si vous l'ouvrez, vous ferez un grand bond. Qu'allons-nous faire maintenant, Oli? Il faut persuader le grand chef œil noir d'enterrer la hache de guerre. Moi, enterrer la hache! Maintenant, ça suffit, Stanley. J'ai un bon petit plan. Au grand chef, nous voudrions fumer le calumet de la paix. Ah, vous vouloir fumer? D'accord. Vous fumez? Beaucoup fumez. Ton plan s'est envolé en fumée. Mais je ne crois pas. Ne t'inquiète pas. Je vais trouver autre chose. Nous n'avons qu'à contacter le reste de la tribu et essayer de parlementer avec eux. Bonne idée, Oli. Oh, ça, c'est sûrement le village. Va voir s'il y a quelqu'un, Stanley. Oh, dis donc, Oli, il n'y a pas de sonnette. Est-ce que je frappe? Mais non, idiot, on ne frappe pas sur une tente. Allez, laisse-moi faire. Je préfère m'en occuper moi-même. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Mieux vaut vérifier qui est à la porte. Voilà un petit pied bien tendre. Lui faire danse de guerre, lui vouloir guerre. Moi donner guerre. Moi aimer guerre. Je crois que le grand chef n'a pas aimé ta danse, Oli. Oh, toi, tais-toi. Il retire ses flèches. Nous avons l'ordre de lui donner tout ce qu'il veut, du moment qu'il signe le traité de paix. Vous donnez tout ce que grand chef veut? Oui, tout ce que vous voulez. Donnez à grand chef télé. D'accord, mais êtes-vous habilité à traiter pour toute votre tribu? Bien sûr. Moi, être toute tribu. Le reste parti pour ville, il y a plusieurs lunes. Vous, petit gros. Allez chercher télé. Ensuite, nous fumer calumet de la paix et signer traité. D'accord, grand chef. Vous, petit maigre, venir dans tipi pour fumer calumet de la paix. Avec plaisir, grand chef. Visage pâle, meilleure mine. Avoir beaucoup couleur sur visage. Voilà votre télé, grand chef. Et maintenant, signons le traité de paix. Moi, signé. Et maintenant, regardez télé. Hier, une de nos équipes spéciales est retournée au village indien que notre armée nationale a encerclé. Ah! Entre pas encore fêche que déjà le gouvernement rompre traité. Moi, montrer à vous de quelle voie moi me chauffer.